Bon, je suis en train de modifier mon alim de laboratoire, enfin de la modifier, de la créer. Et quand on met ça en marche, il est quand même très bruyant. Il souffle beaucoup, hein, mais il est très bruyant. Alors, je vais voir si j'ai la correspondance. Là, je peux pas voir. C'est pas. On peut pas le voir. On est obligé de le démonter. Et je vais voir si je peux en mettre un autre moins bruyant, mais avec le même ampérage et le même voltage. J'ai déjà peint, j'ai commencé première couche. Le boîtier sera tout blanc. Donc là, je voudrais bien le remplacer par ça, mais il est à 0,13 ampères. Là, je suis à 0,23 ampères. Donc il est beaucoup plus puissant. Je vais voir ce que ça fait, s'il ventile quand même suffisamment. Parce qu'il faut qu'il extrait quand même l'air. Hein. Le système est fait d'une telle manière qu'il faut qu'on évacue l'air chaud. Il ne sera pas utilisé dans un boîtier de PC, donc ça surchauffera moins. Mais quand même, donc je vais tester quand même celui-ci. Et je vais voir si je peux le remplacer avec ça ou je vais en chercher un autre dans mon stock. Un petit peu plus puissant. Mais silencieux. Donc là, vous voyez qu'il tourne. Il ne fait pas du tout de bruit, il est silencieux. Au niveau ventilation, il y a de l'air frais, mais il est quand même moins puissant que l'autre. Mais on sent bien l'air évacué. Donc, je ne sais pas si ça sera suffisant. De toute façon, je ne vais pas l'utiliser pendant des heures. Ce n'est pas une alim qui va servir pendant des heures. C'est une alim de laboratoire de base. Donc, je me dis ça peut suffire. Je vais voir quand même dans mon stock si j'en ai pas un plus puissant. Mais sinon, je vais installer celui-ci. Bon là je vais modifier les prises, je vais en supprimer une, je vais juste garder la prise d'alimentation. La deuxième qui sert pour un écran externe ou autre chose, celle-ci je la supprime. Et comme ça je pourrais mettre derrière mon interrupteur avec un petit adaptateur en plastique assez dur. Je le fixerai dessus. Comme ça, ça m'évitera de percer la carcasse parce que je risque d'abîmer ce que je commence à faire, donc autant simplifier au maximum. Voilà, le module c'est celui-ci, j'ai mis du vernis mais il faut que j'en mette plusieurs fois parce qu'il n'est pas assez solide. Et voilà, l'interrupteur ici je m'en méfie parce que c'est pas très solide, donc je préfère mettre un interrupteur sur le boîtier, un interrupteur comment dire, comme ça. Où il y a le voyant qui s'allume, c'est pas plus mal. Comme ça, je sais qu'il est alimenté ou pas. L'autre, je pourrais le laisser toujours allumé, c'est pas grave. Ensuite, le ventilo, là, je viens de le changer. Il est moins puissant, mais c'est pas grave, il fait vraiment moins de bruit. D'ailleurs, comme je dis, pour ce que je vais en faire, je vais démonter toute la boîte, je vais faire mes trous ici de fixation pour connecter ça. Et soit je réduis les câbles ici, mais ça va me faire du travail, soit je les rentre à l'intérieur en les bloquant. Peut-être que c'est ce que je vais faire, parce que dans cette alim, j'ai quand même beaucoup de place par rapport à d'autres alim où on a une grosse électronique. Hein, celle-ci fait 350 watts et pourtant, elle est vraiment light. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je peux tout mettre dedans. Je vais pouvoir même y filer les câbles, ceux qui me gênent. Je vais garder toutes les nappes au cas où j'ai besoin ou je vais peut-être en supprimer une. On va voir ça parce que j'en ai beaucoup là. Mais si j'avais besoin, par exemple, d'alimenter un PC avec qui est démonté, je peux le faire sans problème et tous les connecteurs peuvent servir à alimenter tout le matos. Donc voilà, petit nettoyage de l'ensemble. Je prépare tout ce qui est visserie pour fixer cette platine. Avec tous les connecteurs, je ne veux pas qu'il y ait de court-circuit ou de problème avec. Donc je vais protéger tout ça. Je vais peut-être mettre de la colle dessus et puis au-dessus aussi. Au début, je voulais mettre une plaque, mais je voulais mettre une plaque pour protéger parce que ça plie quand même un petit peu, mais je me dis j'ai peut-être pas besoin de faire ça. Alors, si je coupe c'est possible, on va voir, je vais voir ce que je peux faire. Donc je vais mettre de la colle de ce côté là, peut-être là dessus aussi, comme ça j'aurai pas de problème de court-circuit. Je vais la fixer avec des éléments assez long.
Je vais voir si je prends ceux-là ou des moyens, si j'en trouve dans mon bazar. Et dès que j'ai trouvé la visserie, là, je vais faire les trous qui me manquent. Il m'en manque 3. Et ensuite, eh ben, je vais peindre la pièce, la partie basse de l'alimentation. Donc vous voyez, j'avance petit à petit avec mon boîtier tout blanc. Je le trouve chouette déjà. Bon, le résultat final, quand il sera terminé, je ne sais pas s'il sera chouette, mais en tout cas, comme ça, il est chouette. Les fixations, c'est pareil, je les ai peints en blanc. Il me reste à faire quoi? Il me reste à faire réinstaller l'alimentation à l'intérieur, rajouter la masse, brancher l'interrupteur et les fils qui vont là. Avec, ouais, j'ai pas de fusible et j'ai pas de choix de 220-240 ici. C'est une alim 220-240. Ce que je voulais dire, c'est pas une alim 110. Il n'y a pas l'option 110 volts. C'est que du 220-240. Donc pour notre, pour nous, hein, européens. Donc voilà, il me reste à câbler tout ça. Je vais enlever ce fil de masse là parce que l'autre, il a son petit œillet. Donc c'est parfait. Autant l'utiliser. L'interrupteur est connecté, il faut que je bloque les ergots, sinon, voilà, il faut que je bloque les petits ergots qui sont ici de chaque côté, un de chaque côté. Et en plus, après, j'ai pas grand-chose à faire, j'ai juste à connecter ça, ici. J'espère que je me suis pas trompé, non, c'est ça. Passera par-dessous, par-dessus, je verrai ça après. Pour la grosse nappe d'alimentation, il y a une partie qui restera à l'intérieur du boîtier. Je vais rebrancher mon alim, mon ventilateur, je veux dire, en même temps que l'alimentation, que la carte de cet alim. Enfin, j'avance pas à pas, j'y vais doucement parce que la peinture est encore un peu fraîche. Avant de poursuivre, je vais faire un test. Je viens de faire tous les branchements électriques.
Voilà, en essayant de ne pas faire de bêtises, je vais brancher la lime directement avec ça, sans tester le module pour l'instant. Et je vais voir ce que ça donne, si ça démarre ou si ça démarre pas. Et si je me suis pas trompé avec le bouton, l'interrupteur à l'arrière. Hop. Maintenant, j'allume. C'est parfait. Le ventilateur tourne. Donc ça fonctionne. Voilà mon petit voyant à l'arrière. Ça c'est pratique. C'est des voyants qui fonctionnent sur du 220-240. Hein. C'est pas n'importe quoi. Et 10 ampères bien sûr. Minimum 10 ampères. Là voilà, je viens de brancher le module. Le principe c'est ça. C'est de le laisser ici allumé. Toujours allumé. Et je vais avoir le voyant ici qui va s'allumer dès que je vais brancher derrière. Hop. Et voilà. Donc mon module est fonctionnel. Le ventilateur, on l'entend tourner. Il est vraiment silencieux. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à essayer de voir comment je vais fixer les câbles. Je vais bloquer les deux câbles d'alimentation de 120 qui vont sur la carte. Avec un petit peu de glu au fond là pour pas qu'ils bougent. Donc voilà, j'ai fini mon premier projet d'alimentation pour bricoler, pour mes bricoles. Alimentation, boîtier d'alimentation de PC modifié pour faire une alimentation stabilisée d'atelier, entre guillemets. Hein. Donc voilà, petite alimentation. Le blanc lui va bien. Alors qu'est-ce que j'ai gardé, qu'est-ce que j'ai modifié? Eh bien, j'ai changé les connectiques à l'arrière, j'ai rajouté un interrupteur ici. J'ai changé le ventilateur, j'ai gardé la prise, j'ai refait toute la connectique. J'ai vérifié bien sûr le circuit, que tous les éléments, voltage et autres fonctionnaient. J'ai gardé certaines prises, vous allez me dire pourquoi. Bah, pour l'instant je les garde, elles ne me gênent pas et elles me permettent d'installer et de connecter des ordinateurs vintage et autres. J'ai gardé celle-ci parce qu'elle ressemble à des vieilles prises de vieilles machines. Le positif sur celle-ci, c'est qu'elle a du 5 volts et du 3,3 volts et la masse. Donc je le garde, même si je l'ai en façade, je le garde. Et je verrai après si je le supprime. C'est pareil pour la prise, la prise pour les Pentium. Hein, c'est la prise Pentium, ça, qu'on connectait sur les cartes mères, où il y a 2 fois 12 volts et les négatifs. Donc c'est pareil, celle-ci je la garde parce qu'elle peut être installée sur des cartes vidéo basiques qui ont juste besoin de 4 connecteurs. Ou alors on met un adaptateur dessus et ça nous permet d'avoir le connecteur 6 prises pour des cartes vidéo. Voilà, ça peut toujours servir. Ensuite des connectiques Molex basiques et la prise pour les lecteurs de disquettes et autres. Donc voilà, je garde ces connectiques, elles ne me dérangent pas, elles peuvent me servir pour mes tests, et devant j'ai tous les voltages. Alors je vous explique ce que j'ai, parce que j'ai fait les tests. D'ailleurs, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Voilà. Alors voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ce que j'ai comme possibilité de connexion de voltage sur cette alimentation stabilisée. Alors j'ai bien sûr le moins 12. Voilà, ça marche pas très bien, j'appuie pas assez. Voilà, donc j'ai moins 11,74. Ensuite j'ai le 12 volts. Je suis à 11,59. Ensuite, j'ai le 5 volts.
Là, je suis à 5,07, c'est parfait. Je vais passer au 3,3 volts. Voilà, 3,3 volts, 3,28. Donc tout ça, c'est parfait. Et ce qu'on a en plus sur ce circuit-là, et ce qui est intéressant, il ne faut pas se tromper, mais je ne sais pas si on peut laisser ou utiliser longtemps ce genre de voltage, mais je ferai le test avec des barres LED de téléviseur. J'ai par exemple ici, si je mets sur le 12 volts, alors attendez que je me trompe pas, voilà, faut prendre le 12 volts et le moins 12. Hop, j'appuie pas assez. Ah oui, c'est vrai, mince. Je suis en train de griller mon appareil. 12 volts, hop. Oui, j'ai dû modifier ici, je l'ai mis sur 200 parce que ça dépassait. Et là, voilà, j'ai du 23,1 volts. Alors, est-ce que je devrais avoir 24? Je ne sais pas. En tout cas, l'alimentation fonctionne parfaitement. C'est approximatif, mais je pense que 24 volts, enfin 23 volts, me permettrait de tester les barres LED. Toutes celles que j'ai d'ailleurs, elles peuvent être testées avec ce genre de. Alimentation stabilisée d'atelier. Donc voilà les alim que j'ai, hein, et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est plus simple de garder certains câblages Molex de base. Là il me manque le SATA, donc le SATA je modifierai une des prises et je rajouterai une prise SATA. Je l'ai sur d'autres boîtiers, ou alors je, de toute façon mon projet, vous voyez, j'en ai d'autres en dessous. Mon autre projet, c'est réparer une des alim. J'en ai trois là-dessous, sous les cartons. Et j'en ai une encore en cours, mais les pièces détachées coûtent trop cher. Il y a un composant qui coûte trop cher, donc j'ai laissé tomber pour l'instant. C'est une alim Corsair qui est en attente dans une des boîtes. Parce que j'ai checké et j'ai vu que c'était ça qui posait problème. Et ici j'en ai une que je vais utiliser prochainement. Celle-ci, il faut que je la répare. Pareil, il manque des éléments à changer. Donc voilà, ici j'ai une bonne ventilation quand même. Donc la ventilation souffle bien, c'est pas trop bruyant. Je peux mettre mon alimentation stabilisée sous deux formats différents, sous deux positions différentes, comme ça, à plat ou debout. Ça ne change rien. Moment qu'il y ait des grilles de ventilation derrière sur les côtés, en dessous il n'y en a pas, il y en a même devant ici. Donc voilà, vous avez compris, j'ai du 3,3 volts, du 5 volts, du 12 volts et le moins 12. Et le moins 12, quand on le combine 12 volts en positif sur la position positive et le moins 12 sur la position négative, on se retrouve avec environ 24 volts, enfin 23, et des poussières. Ce qui est intéressant sur ce circuit, bon, il n'est pas exceptionnel, hein, il n'est pas terrible. Le bouton là, il est fragile, donc j'ai préféré rajouter un bouton externe qui alimente tout, comme ça, dès que je l'éteins, j'ai plus rien. Le voyant de vérification ici, qui permet de savoir l'état de fonctionnement du boîtier. Toutes les connectiques sont branchées, même s'il en manque ici. Donc, c'est renvoyé ailleurs. Donc, de toute façon, tout est connecté. Les fusibles, c'est intéressant, parce que si on grille une des sorties, on a un fusible. Après, j'adapterai peut-être d'autres types de fusibles. Et ce que je voulais faire, parce que j'ai trouvé du plastique, parce que le plastique que j'utilisais derrière est très dur à utiliser et à manipuler, mais pour faire des caches, c'est pratique. Ce que je vais utiliser, c'est... Je vais essayer de me faire un petit cache juste pour cacher l'essentiel. Je laisserai paraître les boutons de connexion. J'aime pas trop ces boutons d'ailleurs, j'aurais dû les modifier. Ouais, j'aime pas trop ce genre de boutons. Pour connecter des câbles, c'est pas pratique. Oui, mettre un cache devant, un cache blanc que je peindrai aussi, un peu plus souple, pour juste cacher ce que j'ai pas besoin de, ce qui n'a pas besoin d'être vu, hein, toutes ces connectiques là, les broches. Donc ça cacherait peut-être pas l'interrupteur ici ni le voyant, donc ça serait ouvert. Les fusibles, je laisserai une petite vision, et toutes les connectiques visibles aussi. Donc il faut que j'arrive à manipuler, à modifier ce petit cache plastique. J'ai trouvé un petit bout de plastique qui permet de le faire. J'avais du PVC transparent, mais c'est très compliqué, j'ai pas ce qu'il faut pour travailler ça.
Donc pour couper, faire des encoches, des petits rectangles, des petits ronds avec du PVC transparent, c'est cassant, c'est très complexe à manipuler. Donc je vais, il sera sur mon atelier là, de travail et je l'utiliserai régulièrement. Mais j'ai un autre projet en cours, j'en ai même deux autres d'alimentation stabilisée pour mes bricolages que je vais faire prochainement. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.